Non, il n'y a pas d'autre homme. Je suis sûr qu'il y en a un autre. Lâche-moi. Il n'y en a pas d'autre, je te dis. Alors pourquoi? Parce que je t'aime plus. Depuis très longtemps. Imagine que j'avais laissé faire mon boss. Touché, sans rien dire. Parce que j'avais peur de perdre mon job et j'avais honte. Et si finalement, il avait fini par déraper et qu'il m'avait violée? Et moi, pour me défendre, je l'aurais tué. Pourtant, j'aurais été coupable. Tu sais qu'il a morflé et ça a failli foutre la merde entre lui et moi. Et entre nous aussi. Bah justement. T'es toujours en train de te défendre. T'es toujours de son côté. Mais c'est pas vrai, en fait. De toute façon, tu t'en fous. Arrête de vouloir faire semblant de me comprendre. Tout glisse chez toi. Tu ressens rien. T'es complètement vide là-dedans. Une demi-heure que je t'attends, c'est toujours de faire des délais. On en est où? T'as des nouvelles de la juge? C'est fini son congé maladie? Non, mais cette fois, elle est partie pour de bon. Congé maternité. La bonne nouvelle, c'est que ton dossier a été transmis à un nouveau juge. On va enfin pouvoir avancer. C'est qui? Merde. Mais putain, il me déteste! C'est le mec le plus méticuleux que je connaisse! Il va passer un temps fou à éplucher mon dossier! Je suis pas prêt d'être convoquée! Non mais tu me connais, je vais pas lâcher l'affaire! Hein? C'est une histoire de 3-4 semaines! 4 semaines? Mais tu sais ce que je vis ici? Je vais plus aux promenades à cause du racket! Je vis H24 dans 12 mètres carrés avec la télé qui va à fond, une connaît tenue qui pique des crises toutes les nuits! Je sais. Non, tu sais pas! Depuis le début, tu décides de tout, toute seule! Et après, tu te débines, tu te défiles, Laure. Justement, tu vois bien? Je suis pas capable. Quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ces conneries? T'es capable de poursuivre des tueurs dans toute la ville et t'es pas capable de donner un biberon? Je suis pas en état de m'occuper d'elle. Tu vois bien, je... C'est pas bon pour elle. Ouais. Alors évidemment, je sais pas bien pourquoi je suis venue ici. Le problème, c'est que j'y crois pas du tout. Faut sacrément être naïf pour faire ça, non? Pour faire quoi? Bah pour y aller, quoi. Raconter sa vie, sa petite enfance, avec tout le côté complexe de Dee, blablabla. Il y a un petit côté pathétique, non? Non.